Estelle Lambec. Et Maxime Durand à l'extérieur, et c'est déjà parti. Et en haut du chocolat, Maxime Durand. Allez, Arthur Lebeau qui est parti. Juste derrière lui, Stéphane. Il a comme moniteur de pilotage, quand même, Jean-Sébastien Pigeon. À l'extérieur. Et avec Brian, qui était sous pression de Brandon sur cette manche. Clément Jean, ça va passer ou pas? Il est à l'intérieur, il faut qu'il reste à l'intérieur, il va... Oui, il passe à l'intérieur. Et le laisse pas faire, Estelle Lambec, du coup c'est Maxime Morin. Et Maxime Morin, il profite dans la montée de Mayenne. Ça, tous les deux collés, et Clément Jean vous sera à la corde. Et là c'est parti vite, très vite. Ah ben oui, mais il joue le titre. Alors donc, c'est maintenant ou jamais, hein, Clément Jean. Absolument qu'il revienne sur Dylan Dufasse. Non, il ne peut pas, donc il ne peut pas qu'il y ait du soleil. Mais en effet, Stéphane Estelle-Lambec qui s'est un peu loupé après le gauche d'entrée du Joker. Allez, Estelle Lambec qui sort du tour Joker, qui est suivi comme son ombre par la Twingo. De Charles Descroix. Devant, c'est toujours Arthur Le Boudouille, le pilote.